L'équipe de tournage visite la grande muraille de Yan'an, une muraille antique datant des royaumes combattants séparés les royaumes de Yan, Zhao et Zi. Goûtez la délicieuse Yiguoxian. Nous rendrons visite au maître de Bagua Zhang et apprendrons un art martial. Vous regardez Terre favorite de Beijing Tianjin à Langfang, épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, de l'émission spéciale Nos foyers lointains. L'équipe poursuit son programme en longeant la Grande Muraille. Dans le Hebei est conservée jusqu'à ce jour une section de la muraille antique de Yan'an, construite durant la période des royaumes combattants. L'équipe de tournage va cette fois découvrir cette muraille au milieu des champs agricoles. L'équipe de tournage arrive maintenant au district de Dachang, relevant de la ville de Langfang. Ce n'est pas chose facile de trouver des ruines datant de la période des royaumes combattants dans ces champs. Nous avons invité Ying Xinyuan. La grande muraille de Yan'an s'orientait d'ouest en est. Elle parcourait sept districts allant de Yixian à Dachang en passant par Sushui et Wen'an. Étant principalement construite le long de la rivière Yishui, elle fut appelée Grande Muraille de Yishui. Les historiens estiment que cette muraille débuta avant le règne du roi Zhao de Yan et fut achevée à peu près durant son règne. D'une longueur totale de plus de 250 km, la grande muraille de Yan'an fut en grande partie construite avec une mixture de terre et de pierre ou avec de la terre de leus battue. La section du village de Yangdi, dans le Dachang, est relativement bien conservée. Elle assumait les deux fonctions de défense militaire et de prévention contre les inondations, soit prévenir les crues de l'état de Yan vers le sud. En longeant la grande muraille vers le nord, l'équipe de tournage arrive à la ville de Langfang, la ville la plus proche de cette muraille.
我们现在呢就来到了廊坊市区里。那么赵老师，您为什么要选择带我们来到这条桥上呢？这个桥啊，是咱们廊坊的有名的大桥，叫银河大桥。由于它建在南北大街银河大街上，在大桥下面呢，就是咱们的京山京沪两条铁路的咽喉。铁路的咽喉。哎，铁路的咽喉。这个铁路是什么时候建的呢？是1897年。 Le guide Zhao Yazhong de notre équipe de tournage est un natif de l'enfant. Il a travaillé au bureau de construction d'infrastructures urbaines dans sa jeunesse. Il nous apprend que, quoique il n'existe pas de murailles des Ming dans la ville de Langfang, cette ville est dotée de la muraille antique de Yan'an au sud et proche de la muraille de Badaling au nord de Beijing et de celle de Dujongguan. 那现在的就是从北京到南下的这个高铁，是不是也在这儿过？ 哎，不但京沪高铁、京沪普通铁路都在这儿过，而且到这个东北去，到山海关也要在这儿走，啊，这属于咽喉地带。这也是当年最繁荣的地带。哎，最繁荣、最繁华地带。由于这个铁路形成了廊坊镇，由廊坊镇82年建市，后来89年地改市，然后才形成这现在的廊坊市第一市。这个铁路的现在呢，2000年呢。 铁路的这一侧呢为广阳区，铁路另一侧呢为安次区，叫一市分两个区，两个市辖区，啊，就形成现在这个格局。Zhao Yazhong affirme que tout vieil habitant de Langfang se souvient de cette zone à côté du chemin de fer appelée zone triangulaire. C'était le secteur le plus animé de Langfang dans les années 70 et 80. Avec le développement et l'expansion, la ville s'est étendue progressivement à d'autres endroits plus éloignés de la voie ferrée. Par exemple, les rues Xinhua, Jingguang et Aimin. Les rues sont peu nombreuses au centre-ville de Langfang. Les rues nord-sud sont principalement les rues Heping, Xinkrai et Yinhe. Elles ont sans exception accès à la nationale ou à l'autoroute menant à Beijing. C'est grâce à cette localisation avantageuse qu'aujourd'hui, sur fond d'intégration de Beijing, Tianjin, Hebei, Langfang a fait de nombreux ajustements quant à l'orientation de son développement pour mieux suivre le rythme de développement des autres villes. À mi-chemin entre Beijing et Tianjin, Langfang est à 40 km du centre-ville de Beijing et 60 km du centre-ville de Tianjin, et aussi à 70 km de l'aéroport de la capitale et à 100 km du port de Tianjin. C'est pour cela que les gens disent « une demi-heure suffit pour atteindre Beijing ou Tianjin, et une heure pour accéder au ciel ou plonger dans la mer ». Zhao Yazhong guide notre équipe de tournage dans une promenade dans les rues de Langfang. Sans nous en rendre compte, la nuit a commencé à tomber. Délicieuse ratatouille de Langfang. Visite au maître de Baguazhang pour découvrir les secrets des arts martiaux. Vous regardez Terre favorite de Beijing, Tianjin à Langfang, l'épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Ah, 这到饭时了。
来自咱们廊坊，没什么好招待你的，咱就到这土娃一桌先，哦，就尝这尝，个。哎，尝尝咱们廊坊的特色。这主要是吃什么的呀？这个主要是以鱼为主，但是一开始啊，这一锅鲜呢，就是鱼和这个贴饼子。这个随着这个人们的口味不断提高，它在烹调技术上也不断改善。这个现在不但有鱼，还有肉，有什锦、素的、荤的都有。那我哎，们随去便吃瞧什么，瞧。咱一锅鲜啊。Iguo Sien est aussi appelée Iguo Chu, tout dans une marmite. À première vue, elle n'a pas l'air terrible. C'est un plat courant de la Chine du Nord et du Nord-Est. Mais les natifs de Langfang ont une prédilection pour ce plat, qu'ils trouvent délicieux. 还行吧，为什么喜欢吃这个？在外地吃不到，在外地吃不到。你们现在是在上大学？在外地工作，我们仨都在外地工作，这个好不容易回来聚一下。啊，这好不容易回家乡，然后就马上就来吃这个家乡的口味。您那你们怎么评价这个一锅鲜？刚下飞机就来了，就是一定要吃一下家乡的口味呗。<laughs> Les clients qui commandent Iguo Sien sont généralement des natifs. Le jeune homme nous confie qu'il travaille à Guangzhou. Il rentre 3 ou 4 fois par an. Chaque fois, il donne rendez-vous à ses anciens camarades de classe pour se régaler de ce plat. Une dizaine d'années se sont écoulées et le goût du plat n'a jamais changé. Li Shaoqing est le propriétaire de ce restaurant. Il a commencé à exploiter cet établissement en 1999。这个小盆里放着就是一锅鲜的原料。对对，嗯，这是呢最具我们地方特色的一个菜，叫贴饽饽小鱼。一会儿呢，咱们可以看一下那个制作过程。这个东西呢，它长不大，嗯，都是很小，包括这小虾也是一样。这小鱼是事先炸过是吧？ 拿油包了一下。哦，为什么要拿油包一下呢？包一下呢，再做出来以后呢，一会儿做完以后咱们可以看一下，包一下再做出来，将来出锅的时候一个是一个的，不会散的。哦，另外呢，它也入一部分味儿。哦。Les natifs appellent les poissons destinés à préparer la ratatouille des épis de blé. Quoique de très petite taille, ils sont les poissons que les habitants de Langfang aiment le plus manger. C'est pourquoi on en veut toujours plus. 特别香，这里就是那种鱼的那种鲜味儿。哎呀，就是让我现在还没吃饭，就是把肚里的馋虫全给勾出来了。先炝锅，钓鱼，然后就钓鱼，啊，什么独门诀窍跟我们分享吗？独门诀窍就全在这里边，这个是不能说的。这还卖一关子是成所谓的商业机密。然后再放。 Li Shaoqing nous explique qu'aujourd'hui on peut manger de la ratatouille de côtelettes, d'ailes de poulet et autres. Mais la ratatouille classique est celle qui se mange avec des petits poissons. Dans la campagne en Chine du Nord, la quasi-totalité des familles savent préparer la ratatouille de petits poissons au pain. 最关键的一点就是把握火候，把握好这块呢，这块呢回头有一个窍门。一般情况下呢，咱们不熟练的情况下，回头就要看一看，然后看一看。如果熟练的情况下呢，闻一闻，闻一闻就知道它熟没熟，火候到了没到，是这个东西。那您现在能做到就是闻一闻就知道它好不好？能啊，能啊，这十多年了，这个是，就是它。 Li Shaoxing nous apprend que seuls les poissons vivants contribuent à une meilleure Iguo Sien. Les natifs emploient l'homonyme Sien, retirer le couvercle, pour Sien dans le nom Iguo Sien, la ratatouille, parce que quand on retire le couvercle, une fragrance enveloppe les gens et ce plat est alors considéré comme étant cuit à point. 就是过去呢，因为我小时候记忆特别深的，就是小时候，玩回来跑回家，抓紧就想掀锅。为什么着急吃东西？实际上这个东西不熟之前是不应该掀的。为什么？
只有一下焖熟，它那个鱼的味道，还有那个主食卷子的味道才是更好。就说是你下来一摸啊，不能摸啊、哦，这个情况现在可以了，现在你可以，现在已经好了，现在已经好了，煮熟了、哎，对对对对。嚯、哦，哎呦，这香气啊！对，这是。刚刚好，这汤收的。嗯，你看，尤其是在火已经灭了之后，它还能冒泡的这种。对，一直到如果咱们迅速的出锅，一直到饭桌上还是这样的。对，哎呦，这个盖儿一揭开之后，这个味道真的太香了。La ratatouille étant à point, notre journaliste meurt d'envie d'y goûter。其实从镜头当中能看到，我一直是在往这个锅里看。啊，你尝尝，你尝。我真的是迫不及待想要尝一下。你尝尝，你尝尝。因为这个鱼，其实刚才在油炸的时候，我就在想，如果是油炸的话，其实它就已经可以吃了。所以我尝一下啊。拿油炉烹一下，然后再焖。嗯，好吃。什么味道？好吃，它是比较咸，偏咸。但是呢，我发现一个特点，就是这个小鱼里面那个骨头，一咬就碎了。对对对，这是咱们一个是炖的火候，再一个就是咱们这个调料，就是很好入口。对对。Jaya Zhong nous explique que selon les exigences des natifs de Langfang, les poissons de Higosien doivent être savoureux, sans arête, souples, parfumés et sucrés, pour être considérés comme de bonne qualité. C'est un peu de la vie. 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 C'est un peu de la vie.贴饼味，这卷味能吃出鱼味来。对对对对，因为我刚刚看到他把贴饼子贴进去的时候，其实鱼汤已经浸在上面了。啊，杨总来着，哎，没事，你吃，好吃这个。嗯，行吧。真的是，像您说的这个卷子里面也有鱼味儿。那鱼味儿入到卷子里边了。李小星 nous dit que son pays natal Wen'an est le bas-fond de l'enfant. Il était jadis appelé Mar de Wen'an. L'économie n'étant pas développée.Malgré l'abondance de poissons produits ici, la ratatouille, qui est préparée avec juste une seule étape, contient à la fois des poissons et des aliments de base. Dans notre pays, le Bailang est le sud, nous sommes le nord. C'est un système de poissons. Dans notre pays, le Bailang est le sud, nous sommes le nord. Dans notre pays, le Bailang est le sud, nous sommes le nord. Dans notre pays, le Bailang est le sud, nous sommes le nord. Dans notre pays, le Bailang est le sud, nous sommes le nord.秋天这水一来，然后水一撤，有很多小鱼，一个的，我们就拎着小桶啊，拎着小桶就满挖就捡鱼去，不是逮鱼啊，捡去就行了。因为那水退了以后，一个一个的小水洼，每个小水洼里边就一捧小鱼，就小鱼小虾。回家以后，老爷子刚才说了，回家以后为了省柴火，连胳膊带鱼一块就熬出来了，一块就煮了，哎。Li Shaoqing nous apprend que ces dernières années, la ville s'est développée rapidement. Beaucoup de restaurants qui proposent des plats d'autres arts culinaires qui n'ont encore jamais goûté auparavant ont été ouverts à l'enfant. Visiter l'école d'art martial Baguazhang, quelle est la méthode originale d'entraînement ? Le maître de Baguazhang a-t-il une vision particulière sur les arts martiaux ? Vous regardez Terre favorite de Beijing Tianjin à Langfang.Épisode de la série En deçà et au-delà de la Grande Muraille de l'émission spéciale Nos foyers lointains. L'équipe de tournage poursuit son programme à l'enfant. Nous allons rendre visite à un grand maître de kung-fu.L'héritier d'héritage immatériel de niveau national de Baguazhang, Zhen Wuchu. Après avoir convenu d'un rendez-vous, nous venons à l'école Wenzhou, située dans le district de Wen'an. Vous, 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 vous,
学生们正在练习这八卦掌。对对对，我们现在练习的是这个八卦掌的龙形步。啊、龙形步。龙形步是什么？是这个步伐是吗？对，它是八卦掌的步伐之中一种。然后它走起来呢，就像一个游龙一样，在咱们这个水里来回游来游去。是我看到这个孩子们都是在以这个以八字的形状，嗯，在前行的。对，因为八卦掌这个技术呢，它是以弧形圈绕的这个运动轨迹去做的。然后呢，我们很多八卦掌呢就会沿着这个弧形的外沿去走这个八卦掌。那它这个掌法有什么诀窍在吗？因为我只看到好像这一两列学生正在是以走这样一个形状。但是这个八卦掌是不是以掌风著名啊？这个其实是这样的，八卦掌呢分为很多种，其中呢我们练法上呢也有很多区别。首先我们有单独练掌的，然后呢有单独练腰的，然后有单独练腿的，然后我们现在练习的就是针对我们这个步法的锻炼，还是练习它的步法。Le bagua zhang est aussi connu sous le nom de bagua zhang nageant ou série de mains bagua.C'est un art martial de poing axé sur principalement sur les mouvements variés de mains et ceux de pas. Il est une boxe très connue parmi les arts martiaux traditionnels chinois. Ah, bien. 这个动作幅度比较大。对，因为八卦掌它这个主要是体现它这个动作幅度穿插走绕，然后在练习的途中呢，我们就可以把这个动作幅度加到最大，会加大动作幅度，然后仔细的向前把这个腰呀，然后尽量很舒展。很舒展，对对对。La main transperçant est la technique élémentaire de bagua zhang. D'ordinaire, nous voyons rarement ce type de gestuelle.比如说他现在有的时候用直拳去打我，这个时候我们练八卦掌的时候就开始旁门抢攻，用的这个是地震打劫，直拳打我。对，这个时候直拳打我的时候，如果是一般的这个竞技的散打，可能直接就一波直接就打他了。但是我们八卦掌讲究什么，就是从侧方位抢攻，有的时候是这样穿开的，这样穿。有时候呢穿开之后我们迅速去加裸手，这种裸手，对，迅速从他的侧方位，来再来一遍啊，可以啊，从他的侧方位进去，对，这想拍他，有时候他直接打我的话，我只需要轻轻侧开一点，他就把他的攻击就侧开了。这个时候我可以用一些反手，对，我可以用我的裸带手啊，膝关节进攻啊，然后用一些八卦掌的掌法去对付他。Le bagua zhang est l'une des trois principales boxes d'art martial interne de Chine. Il intègre 8 techniques de main.Combiné avec des mouvements de pas qui varient de 1 à 8 pas de balancement, de verrouillage et d'accompagnement. Le pratiquant de bagua zhang effectue des déplacements circulaires comme tracés de leur évolution de base. Pendant qu'il marche, son corps entier, y compris ses pieds, se déplace avec fluidité.Le bagua zhang exige que le corps puisse pivoter, tourner et coordonner sans à-coups, comme un dragon nageant quand il marche. Notre journaliste est émerveillé. 那我看到您刚刚打这个招式，拍一下自己的胳膊。嗯，对。那是一招是什么招啊？那个我们八卦掌分为，八法：推脱、带裸、扳扣、劈进。我当时那个是劈进。哦。上下板。Pendant que Wang Dong nous explique le bagua zhang à l'invitation de notre équipe de tournage, son condisciple Wan Tong Lei arrive aussi au gymnase. Il a été champion national d'arts martiaux.Le bagua zhang met l'accent sur l'agilité corporelle et exige que le pratiquant garde une distance entre lui et l'adversaire et change de direction pendant qu'il marche en décrivant des cercles. Cela pour se dérober à l'attaque frontale et passer sur les côtés et saisir des opportunités pour lancer des attaques. Non, 我
看您刚刚在打的那一段的时候，有几个动作非常的这个有力道。对，是一个五爪掌，一个四星腿，还有一个是正掌。它这三个掌是连绵不断的，都是进攻的。那您能给我们再分解一下吗？可以。首先是一个虎爪掌，我比如说前面有人，有个人向你打过来，然后我一架，啪，架出去的。我已经感到这个掌风。架出去，然后他，你架出去，他不会往后退吗？对。退，然后紧接着往前冲他，一两个腿往前踹。踹完了，你踹他肚子上，他不得弓腰吗？弓腰，脸就露前面了。然后后面再接一掌，咔，这个速度非常的快，对，就是让你来不及反应的时候，来不及思考就把脸就打住了。对对对。那你觉得目测就是说这一掌下去，这人能打多远？一米吧。哎呦，那力度还是挺大的啊，这个冲击力还是很有的。因为它前面还有几个冲击力。金腿踹二下，再打。但是我发现，就是我对一个招式非常的有印象，就是您好像是在左扭头、右扭头，这个招式叫什么？四面掌。八卦掌叫四面掌，就是四个方向，比方说四个方向有人进攻，然后一个方向一个方向打四面掌。这招是为了这个很多人在打你的时候，然后你能有个攻势是吗？对对对。这是四面八方来敌人了，您都能给他抵御过去。对，前面、后面、左边、右边都可以打过去。能给他抵御过去。Les techniques de main comprennent principalement celles dites de transpercer, de se faufiler, de fendre, de bloquer horizontalement, de heurter, de verrouiller et d'inverser. Parmi ces techniques de combat, les mouvements comme pas glissé, jambes ciseaux, conversion de verrouillage en rupture et vice versa, se dérober à l'attaque frontale pour passer sur les côtés, etc. Avec cette interview, l'équipe de tournage a pu découvrir combien le Baguazhang était puissant. Ce qui est dommage, c'est que le maître, Zheng Wenzhu, ne montre toujours pas le bout de son nez. Wang Dong nous apprend que lors du cours de plein air des élèves dans l'après-midi, le professeur Zheng viendra personnellement. Vous voyez, c'est notre 下面我让我帮您引荐一下我的师傅任陆老师。好，任老师您好。任老师您好。您好。那我们现在想问一下，这个您的学生现在这是在做什么训练吗？这是集中性的训练，八卦掌最基础的走圈，他这个转圈有几个基本功在圈里出。第一个走圈呢是有方位，方位这个圈儿的呢，上外打东西南北，四面八方好找方位。这是一个。再一个呢，经常练习呢抗摔了。抗摔了，因为白练不容易走，他走的时候呢踩着气走。Le maître Zheng Wenzhu a 65 ans cette année. Il pratique le Baguazhang depuis environ 60 ans. Il nous explique que la marche en cercle est une capacité élémentaire et aussi une importante étape dans la pratique du Baguazhang. Moi, je vais faire un tour, c'est 8 种姿势，这是。你看他走这吧，这是阴阳。这是，也这是阴阳，也光走这样呢，这光是阳掌。这样是阳掌。阳掌。你看，你看这样，立掌，是吧？这个。走法的不同的，这个手型的不同的，这个变化，这浑身结构不同。你别说吧，这个我们这个像这样走，这样走呢，这个吸气吧，这样走呢，这个拖张呢，这是一种劲儿走的，主要是练内涵了啊。你看要这样走呢，这又是一种劲儿。这个好像把气运到了丹田。这个像这种走法，这是一种劲儿。你这种走法，你又是一种劲儿。你像他走这种走法，又是一种劲儿，这个劲儿不一样出来。这内要求内在不同，这是。也不说呢，光看呢，是光为了数转圈呢，这个不是转而转，这有好多要领。Les trigrammes représentent 8 directions
est, sud, ouest, nord, ainsi que sud-est, nord-est, sud-ouest et nord-ouest. Le Baguazhang exige que les pratiquants fassent des cercles en marchant avec pas bikro et doivent marcher dans toutes les 8 directions. Ce n'est pas comme les autres arts martiaux qui exigent que les pratiquants marchent sur une ligne droite ou encore à 4 angles. Le Baguazhang est l'un des arts martiaux internes, une des boxes internes. Dans tous ces gestes, l'intention passe d'abord, suivie de mouvement. Le maître est très occupé avec son cours. Après avoir fini le cours aux élèves, il accepte enfin notre requête de faire une démonstration d'une série de mouvements de Baguazhang. Le Baguazhang fut créé par Dong Haichuan, un natif du district de Wen'an, province du Hebei, vers la fin de la dynastie Qing. Le maître Zhen Wenzhu a commencé à pratiquer cet art depuis son enfance et s'est fait successivement disciple des héritiers de quatrième génération, Gao Junhui et Liu Hushan. En Baguazhang, les mains remplacent les poings avec la marche décrivant des cercles. L'intention ressemblant au drapeau voltigeant, le souffle évoluant comme un nuage. C'est la combinaison de la force et de l'agilité. L'habituel et l'inhabituel sont interdépendants. Dans les combats réels, le pratiquant rend souvent l'adversaire vertigineux. Le maître Zhen Wenzhu nous dit que les principes du Baguazhang sont très profonds et que c'est impossible de les expliquer en seulement quelques mots.
Les pratiquants du Baguazhang commencent par la marche, en s'appuyant sur l'habileté interne comme base. Ils ont besoin de passer plusieurs étapes avec l'entraînement, telles que rectification des mouvements, canalisation du qi, compréhension de la force, adresse et changement. Le maître Zhen nous confie que quand il apprenait à pratiquer cet art à l'époque, rien que pour se tenir sur des poteaux, son professeur lui avait imposé plus de 2 ans d'entraînement. Dans la forêt dense, contre vents et pluies, il devait s'entraîner, et ce plus de 12 heures par jour. Zheng Wenzhou nous explique que les pratiquants du Baguazhang attaquent latéralement et tirent avantage de la situation et profitent de la force. Le plus haut niveau qu'un pratiquant peut atteindre est de devenir imprévisible quant à ses mouvements et que son corps s'éclipse comme une ombre. Mais cela nécessite une contrepartie inimaginable d'entraînement et d'efforts. 你看我说这么句话，谁真练，不用你那学费，管吃管住，我管的零花钱花。我你斗不着那么真练的，这活不是一般人干的活。您就是想把这个八卦掌真的就是能传承下去，就像您说的，您办学校的目的，只其实是为了来发掘人才，然后把您这一身绝学能延续下去。你看吧。 他腿小了，我看不透他，我看不透他吧，也没法教他，是吧？我也教吧，并不教这三条两脚，是吧？这都说是，这随便做个动作，就是吧？就这么个动作，说这动作很简单，干一说起来，这都用的什么劲儿啊？全靠一种劲儿，是吧？嗯，说是勒住在前，前腿和后腿一个，护住自己，这俩脚。 直不行，拉不大了不行，嗯，软了不行，筋了不行，嗯，这么一蹲，腿蹲脱了不行，说这么搓着，这么搓着不行，这么高着高着不行，高也不行，说怎么着行啊？你不得这要求他吗？嗯，对方别人来手了，大高了怎么大脱了怎么着？在学习当中，你不得一点点教一点点学吗？一点练不去，不来了手了，这来怎么着？这来怎么着？这会能？ 是啊，这光靠这么扒拉，怎么会扒得动人家呢？对，你自己怎么变化？是吧？怎么一动一边，怎么抓住那么紧？Certains mouvements s'avèrent très simples, mais ils nécessitent aussi une pratique laborieuse, voire d'une dizaine d'années. Il est difficile de se faire admettre à cette école, mais il est encore plus difficile de devenir un maître. Les enfants n'ont que quelques années pour leur enfance. La plupart d'entre eux ne peuvent pas persister dans cette pratique. Son plus grand vœu est que les professeurs et les élèves de l'école d'arts martiaux puissent travailler dur dans cette boxe et transmettre ce savoir profond aux générations futures.
将家书托于邮无差，谁在吟唱那首出塞，一腔血誓中澎湃，期盼我长风万里，五千载平仄几拍，一方青砖一曲婉约的词山河如画，水印前。